Bienvenue à votre émission favori, Ça va jaser. Bien entendu, c'est notre dernière émission de la saison. Donc, beaucoup de surprises pour vous aujourd'hui. Encore une fois, nous allons passer à travers notre saison, du début jusqu'à notre dernière émission d'aujourd'hui. On va vous faire part de différentes actualités, de nos moments inédits, nos bloopers, les moments les plus cocasses, les moments les plus tristes. Les moments les plus heureux, les plus drôles. Et nous allons finir cette saison encore une fois avec Mackenzie, Dimi et Cheshki. Donc toujours Cheshki dans le tour du web, qui va faire le tour du web avec nous. Nous avons aussi Mackenzie qui va nous apporter un petit peu d'actualité concernant l'amitié. Dimitri qui va nous apporter des points plus précis. Que veut dire l'amitié? Et moi-même, peut-être si ça s'adonne, j'aurai ma montée de lait pour vous. Donc, tout dépendant comment l'émission va se dérouler. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons beaucoup de surprises. On va partager avec vous beaucoup de choses. Il va y avoir des quiz. Il va y avoir, évidemment, notre défi du groupe. Alors, ne quittez pas. Dans un instant, nous serons... Dans un instant, Arthur. Ne quittez pas. Dans un instant, nous serons de retour à votre émission « Ça va jaser avec mes hommes en pyjama ». Hello. Donc, nous sommes de retour avec mes hommes, encore une fois, en pyjama, toujours. Sexy boy. Là, on a nos oreillers. Bon, c'est dernière émission, quand même. Donc, nous me faisons-tu dormir? Mais dernière émission de la saison, quand même, monsieur. C'est pas la dernière émission à vie. Donc, moi, j'aimerais savoir comment s'est passée votre semaine. Tout le monde a regardé. Mais, oh, pas gagné une capricorne. En tout cas, moi, je vais y aller en premier. Comme je suis la reine, ma semaine, elle était épuisante. Mais quand même, j'ai bien aimé ma semaine. Il y avait quand même. Moi, tant que je vois du soleil, je suis bien. Donc, on s'entend que les deux derniers jours, c'était pas cute. Mais, je suis en déménagement. Je déménage bientôt. J'ai hâte de partir. J'ai hâte de rentrer dans mon nouveau chez moi. Et ça va me faire de la peine un peu de vous quitter le dimanche. Mais on a d'autres occasions de se voir. Effectivement. Hein? On n'a pas que le dimanche. On est là, on est des amis, des collègues, de la famille. On peut se voir quand même pendant l'été. Ça va être peut-être des surprises pour nos téléspectateurs, on ne sait pas. Alors maintenant, à vous. Donc, j'ai démarré pour vous, allez. J'ai démarré pour vous, à vous donc, allez-nous. Désir sous moi. Bon, il faut... Mais c'est toi qui es en face de moi, ok. Ben non, j'aime ça, ma reine, j'aime ça. Ah, ou dans des vins. Non, il faut dire aux téléspectateurs, surtout... ma semaine, c'était vraiment frustrant et puis triste aussi. Parce que n'oublie pas la dernière émission qu'on a tournée ensemble. Je vous ai dit que j'ai mes parents qui ont été décédés. La famille. Oh, là, on dit pas rien. Pensez pas à papa, maman. Non, pour moi, ma tante. De la famille. Mon grand-père, bon, pour moi, c'est, on parle des parents. Famille. Oh. Bon, normalement, c'était vraiment triste pour moi parce que c'est toi, j'aimais mon grand-père beaucoup, il a fait beaucoup pour moi dans ma vie, tout ça. Et puis, j'ai passé aussi toute la semaine en travaillant. Bon, juste c'est parce que je vous aime les femmes, je vous aime tous et puis j'aime ce que je fais. C'est pour ça, c'est pour la raison que je suis ici parmi mes amis et puis surtout ma reine aujourd'hui avec vous. Oh, ça fait merci, plaisir. Ça fait toujours plaisir. Sur Valdi là, on s'est dit la bouche. Mikensia, sur notre bagage, oui, fanatique. En tout cas, moi, ça a bien été. C'est la routine, Quintati, travail,
sur notre dernière émission, c'est sûr que ça me fait un peu de peine parce que c'est la seule chose que je peux dire. Bon, on ne pense pas à travailler, on pense vraiment à s'amuser, mais en travaillant, bien entendu. Donc, ça a bien été à part ça. C'est sûr que tu n'étais pas là à la dernière, à l'avant-dernière émission. Ah, bon, oui. Tu as manqué beaucoup de choses, ben, au contraire. Mais ça a bien été. C'était super, je me suis fait masser. Je suis prêt à brancher. Oui, ça qu'en fait, cher Call the Way, tout le temps, avec nous là-bas, je me dis, je suis toujours avec nous, même si c'est la dernière mission dans la saison, ça, mais n'importe quelle saison, nous-mêmes, nous-mêmes, nous venons à l'autre saison pour nous, puis belle bagaille, toujours. Bon. Semaine, moi, j'ai en forme, grâce à Dieu. Moi, semaine, moi, toujours en forme. Parce que moi, personnellement, je toujours baille tête, moi, objectif, ça, rien n'est pas qui doit déranger moi-même. Rien n'est pas qui doit faire me parler, pas sourire, pas disparaître. Pour moi, bah là qui doit frapper moi, bah là qui doit frapper me dit fait mal, et puis me dit comme ça yo, ou fait mal, mais les mecs abonnés moi ok, mais quand la journée pour finir, ma bonne journée, vous comprenez, la première semaine tout bien passé, ouf, Paris, capitale France. Mais merci, ça fait plaisir de vous entendre. Donc moi j'aurais des questions pour vous et moi-même aussi, il faut que j'y réponde. Donc, qu'est-ce que vous avez appris, monsieur, dans cette saison, la saison qu'on a eue? Vous savez, les gens qui nous suivaient depuis le début, on avait commencé avec est-ce que c'est zin? On a retourné la situation, on vous a mis ça savageasé. Donc, vous nous avez revus dans un autre concept. Donc, mais on a toujours été la même équipe. Chechki est venu nous rejoindre, donc ça fait plaisir. Moi, ça fait plus d'hommes pour moi. Donc, moi. Ça n'a aucun là, hein? Bon, Mikenzi, ça n'a aucun là. Moi, ce que j'ai appris cette saison, j'ai beaucoup évolué de par vos commentaires, par des commentaires constructifs que vous avez envoyés. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris aussi de mes co-animateurs qui emmenaient des nouvelles, des informations, des bonnes informations. Ça m'a beaucoup. J'ai beaucoup appris d'eux-mêmes aussi. Donc, et j'ai appris à travailler sur moi-même aussi pour vous permettre. Pour me permettre de vous donner une bonne émission enrichissante et de vous donner des bonnes informations également. Avec ma montée de lait, bon, moi, je vous savez, je suis naturelle, ma montée de lait, elle monte. Et je vous emmène ce que je ressens, puis en même temps, je vous emmène des informations là-dessus. Donc, moi, j'ai appris à apprendre un petit peu plus sur moi-même et à m'améliorer pour vous. Et vous, qu'avez-vous appris dans cette saison, notre première saison? Ça a toujours après 10 ans pour le pont gorgé, pour le parler. Ça n'a pas changé ça. Ça n'y a pas appris là-dessus. Normalement, premier saison, ça a dit. Et en plus, mon cap comprend, pécor, donc il m'a habité à monter sous scène, c'est là-bas. Mais c'est débat qui est différent. L'on monte sous scène, ou à vu film, ou à faire cours, ou à faire comique. C'est débat qui est différent avec leur nom émission. Exactement. Ben, première fois que je me suis mis sur ça, oh, ça a changé un peu de bagage parce que nous sommes des gens qui ont un petit stress, bien qu'il y ait un peu de qui ont un petit stress, mais qu'on y a là, c'est l'école gay. Ça a changé ça pour moi, ok? Et non seulement sur scène qu'on y a à partir de l'émission, on a changé ça pour moi. Et ce n'est pas les mêmes règles, hein? Nous avons ben, pas à prendre quand on anime exact. Et quand on joue un rôle, exact. C'est deux affaires différentes. Ou à pas prendre un CD bagage, de temps en temps, on va prendre un CD bagage, et puis ça va nous permettre. Ça va nous permettre de découvrir leur page de vous-même, ou fier de vous-même. Bah, du moins, je suis fier de moi-même. Moi aussi, je suis fier de moi. Merci beaucoup, Mikenzi. 10 000 pour toi. Moi, c'est très bien qu'est-ce que Mikenzi dit. Ça fait suite un peu par rapport à ce que je disais. Est-ce que Cézin, c'est vraiment le début? Je me suis sorti de ma zone de confort. Parce que pour moi, l'émission animée, ce n'était pas évident. Donc, merci beaucoup de retirer un peu cette lourdeur parce qu'elle était pas évidente. C'est à ton producteur, ce n'est pas moi qui l'ai enlevé, c'est lui qui l'a enlevé. Mais il m'a donné la chance. Responsabilité. Non, donc, il m'a donné la responsabilité. Mal parlé, ça, c'est lui qui m'a donné la responsabilité. Donc, c'est bon, j'ai beaucoup appris à être un peu moins stressé parce que j'étais trop un peu focusé à faire les choses by the book, puis là je me suis laissé plus aller à pouvoir dire sous le flow. Comment... Sauf que ça veut pas dire que ça va t'empêcher d'animer un jour, parce que là tu le vois de par moi où il y a d'autres émissions aussi, donc tu peux quand même apprendre, puis un jour tu peux, bon, à la fête des mères, oui, tu avais animé. Exactement. C'est toi, tu m'as appris, là, tu m'as refait me reposer, tu avais animé, donc tu vois, c'est. T'étais moins stressé que quand on avait commencé les émissions. Exactement. Tu as quand même appris.
beaucoup. Voilà. Et mais... avec vous aussi, j'ai beaucoup appris. C'est très divertissant comme émission. Ouais. Vous savez pas, mais animer une émission de télésérie, télévision, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail. Donc c'est travailler sur soi-même et travailler avec les autres, travailler en équipe en fait. Donc c'est ça. Ben merci beaucoup Dimi. Cherche qui mon fils. Zoyan, même genre avec Pyjama. Cette première saison m'a vraiment beaucoup appris. En premier lieu, il y a apprendre qu'on est plus co-animateur et animatrice qui est avec nous. Ben, c'est des personnes vraiment formidables, je vous aime tous. Et en second lieu, il y a apprendre que coucou, c'est de quitter plus jeune gens, de plus femme, plus petite. Vous comprenez, c'est le bagage que je me connais. Et l'autre bagage que l'émission et saison ça t'a appris moi tout et t'a dit que pas camper avec c'est que à chaque émission une citation me découvrir une citation que me connais me tout capter me tout mettre là comprendre parce que par contre l'objet que pour utiliser c'est vraiment merci. Yo c'est des bagages qui vraiment aimer dans l'émission vous comprendre et l'autre bagage toujours moi mais t'as dit pour qui ça moi aimer c'est des filles. C'est défi, même là, je vais me battre Mickens pour maquillage, j'ai des bambou. Mais Dimitri, il n'aime pas nos défis parce que quand il perd, il ne peut pas courir. Il n'aime pas Mickens pour maquillage, pas vrai? Moi-même, je vais me battre pour massage de la tête. Mais je te remercie beaucoup, Cheshki. Puis moi, je voudrais dire merci. Merci d'avoir embarqué dans l'équipe. Tu as intégré l'équipe un petit peu plus tard dans l'émission. Merci, tu as apporté quelque chose de plus. Tu nous fais rire. On avait déjà un humoriste ici. Vous deux ensemble, vous vous complétez tellement et ça fait plaisir de t'avoir. Okay. Tout à fait, effectivement. Donc, moi, l'autre question que j'aurais pour vous aussi, c'est... Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous apporte. Pourquoi est-il important pour nous de faire la publicité comme j'aimerais que les téléspectateurs l'entendent? Donc, pourquoi c'est important pour nous qui s'abonnent sur YouTube, IG, Facebook? Moi, je vais répondre le fait que nous, on a besoin de vous. Donc, si vous n'êtes pas là pour nous écouter, c'est comme si on travaille pour rien. On a besoin de vos commentaires. Si vous ne nous les dites pas, c'est comme si on travaillait pour rien, on travaillait juste entre nous. Si c'est pour ça, nous, on peut juste s'amuser entre nous. Donc, nous, moi, pour moi, c'est important pour moi que vous allez vous abonner, que vous nous suivez. Même si ce n'est pas le jour même, vous avez des temps libres dans la semaine, allez voir, allez nous donner vos commentaires, on en a besoin. C'est YouTube, ça va jaser, c'est pour vous. Téléradical, il y a tellement d'autres émissions aussi, c'est pour vous. On a Tabou, VIP, on a plusieurs autres émissions, Fait manger à Messie Dieu, il y a beaucoup d'autres émissions là pour vous divertir. Encouragez la communauté haïtienne. Moi, c'est ce que je vous demande fortement. Donc, je passe la parole à Mickensy. Toi, pourquoi c'est important pour toi, justement, que les gens s'abonnent? C'est quoi les objectifs que nous, on aimerait atteindre pour la saison prochaine? Bon, pour nous, on a salué tout super branché. On a salué nous et puis nous font pile de fois nous aimer nous. Et normalement, ça qu'a fait là, nous pas fait pour nous. On a fait pour vous. Exactement. C'est parce que nous aimons qui fait que nous a fait. Ce bagage que nous lui partager avec vous. Mais si vous regardez, vous abri, vous pensez des bagages que vous tirez, vous pensez des bagages que vous pas connaissez, même pas qu'ils ne sont pas partager avec vous. Ils ont nous pas partager avec vous. Ils famille ou pas qu'à inscrit. Et puis, si vous avez un bagage, vous avez besoin de dire nous. On va ou ta besoin konnen ou on va ou ta besoin parler des lignes pas pour raison ou pas ka écrit dans commentaire espace commentaire pour dire bon mais pour faire passer émotion hein? Sur so Facebook sur so YouTube sur Instagram tu le ça veut dire pour qui commentaire pas faire parce que c'est pour na bagaille des fois nous on dit un bagaille et puis dans l'autre prochaine émission nous pas passer sur rien encore mais ou même ou ta aimé que nous retourner sur lui ou bagaille ou manquer yeah. Mais pour qui ça ou rester dans illusion ou deviner. Écris nous parce que là pour nous, là pour un bon service, c'est pour ça. Et puis en fait, nous t'as souhaité que même j'ai un bon service là, nous ne parlons rien. Nous parlons pour bailler l'argent seulement. Abonnez, invitez amour, famou, dans la famille ça, sur YouTube. Et puis ensuite, pour une grande famille, c'est ça que nous demandons. Nous et moi en pile, pas oublier faire ça. Merci, Dimi. Merci beaucoup. Donc, tes objectifs, qu'est-ce que tu voudrais dire aussi à nos téléspectateurs comme objectif, c'est quoi qu'on veut? Ben, mais super branché, comme je fais suite aussi avec Mackenzie, parce que c'est très bien, Mackenzie, qu'est-ce que tu rapportes. Mais moi, j'aime aussi donner aussi l'objectif d'amener pour la prochaine saison des opinions constructives, comme quoi que j'ai beaucoup aimé l'émission, par exemple, le thème africain, j'ai beaucoup appris. Donc, les commentaires, ça va nous servir à pouvoir mieux nous améliorer. Aussi à savoir,
qu'est-ce que vous aimez les téléspectateurs? Parce que c'est pas seulement uniquement pour nous, on le fait pour vous parce qu'on veut vous divertir. Donc c'est pour ça que le commentaire, c'est important aussi. Mais aussi de nous apporter, si vous voyez, il y a des sujets qu'on passe pas, mais donnez-nous des idées de sujets. S'il y a un sujet que vous aimeriez entendre, écrivez-les, nous autres, on peut faire une émission là-dessus, ça nous dérange vraiment pas. Et on vous le dit, il y a des surprises pour la saison prochaine. C'est tout, qu'est-ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Dimi, Cheshki. Oui, moi, le deux, m'a parlé, bon, moi, quand vous vivez, m'a tellement... Non, mais c'est sérieux, bon, dis-nous. Et raison qui fait que nous toujours demandons Mounio, abonner, like, quitter, commenter, c'est parce que c'est cette façon que vous avez montré que ça n'a fait à une importance pour vous. Exactement. Et qu'on prend plaisir là-dedans. C'est vrai. C'est façon tout, ou capable d'encourager nous-mêmes pour nous porter plus. Parce que qui ça? Yo émission est comme si n'a fait interaction. Oui, nous poté, mais ou même tout, bon bagaille dans émission que nous parler. Jean Mikensi dit là, il doit mettre un petit ton là dans commentaire quoi. Par exemple, il doit dire Linet Mikensi semble Linet qui nager alpha alpha. Mais après ça tout parce qu'on a changé Linet là. Voilà, bon oui. Tu comprends ça dit. Un jour en français. Non, est frère lié. Toujours en français. Ça veut dire nous et travail ça qu'a fait là. Il va faire seulement pour nous. Mm. Oui, nous-mêmes, nous avons passion, nous avons dévouement pour nous continuer, pour nous faire. Yeah. Mais ou même qui prend plaisir, ou même nous, qui nous mettez sourire sous les vous, si tout moi-même, pour commander à mes doigts, parce que moi-même, je ne suis pas fou dans le corps. Donc, si nous faisons et montrez-nous où que vous appréciez ça, ouais. Encouragez-nous plus toujours. Ce n'est pas l'autre façon, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas rien, mais c'est like, là, abonner, quitter commentaire. Nous aimons en ville, ça est pour vous. Merci Cheshki. Donc ne quittez pas, n'allez pas trop loin. On va prendre une courte pause. Je vais être de retour avec mes hommes en pyjama parce que ça va. Merci. Avec mes hommes qui font des petites mesquineries, mm-hmm. Ça essaye de regarder mes jambes. Mm-hmm. Ils ont tombé à tête qu'on est. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez remarqué, regardez, ton sous ton. Ton sous ton. Ouais. Okay. C'est ta sous ton ou ton sous ton? Ton sous ton. Non, ton sous ton. T'as pas compte sous ton? Non, non, game pas, non, c'est masculin en colère. Ouais, c'est ton sous ton là-bas. Donc, juste un petit retour, comme vous savez que c'est notre dernière émission de la saison, je répète, de la saison. Hein? Mikensi, elle aime parler le français aujourd'hui. Alors, c'est notre dernière émission de la saison. J'aimerais remercier tout d'abord notre directeur technique. Merci pour le beau travail qu'il fait avec nous. Depuis le début, il est avec nous. C'est Cliffy. Il est avec nous depuis le début. C'est lui, vous le voyez pas, mais il est derrière les caméras. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de travail, je peux vous dire que c'est vraiment ces gens-là qui travaillent beaucoup, mais beaucoup plus que nous. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de plaçage de lumière, de tout. Donc j'aimerais le remercier. Il y en a un qui est venu nous rejoindre aussi entre-temps, un petit peu plus tard dans l'émission. On avait six passeurs, un autre caméraman, donc l'assistante de Cliffy qui est là avec nous. Donc, il apporte aussi d'autres lumières, d'autres caméras. Donc, il y a plus de visuels aussi pour nous. Et mon coup de cœur, donc mon producteur, Peterson Mead, vous le connaissez bien. Donc, c'est lui qui nous a permis, c'est lui qui m'a permis d'être là, c'est lui qui m'a permis d'animer.
pour la première fois de ma vie. Il m'a permis d'animer, il m'a permis de me découvrir, de découvrir de nouvelles choses. Et lui, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, il ne dort pas des fois la nuit pour nous préparer une belle émission. Oui. Quand vous voyez, il y a des décorations, des fois il y a un décor qui est là, mais c'est vraiment... Peter, il est là, il fait le montage, prépare-t-il manger pour nous, il est toujours présent, il nous envoie toujours des thèmes. Donc tous ces thèmes-là, c'est lui, toutes ces idées-là viennent de sa cervelle. Alors merci Peter, merci de nous avoir permis d'être là. Bravo. Merci beaucoup de nous avoir permis de pouvoir animer cette émission-là. Mais Tati, il ne faut pas oublier... Solution et attends, JB Solution. Oui, attends-moi, j'ai une autre personne aussi. On ne le voit pas non plus, mais il est précieux pour nous. Il n'est pas là tout le temps. C'est Will Beausier. Il est souvent là. Il nous aide quand on fait nos émissions à l'extérieur. Trimballer les chaises, les tables, les affaires. Will est toujours là pour nous. Alors, je voulais rajouter ça. J'avais oublié mon petit Will. Alors, excuse-moi, c'est à toi. Non, pas de problème. JB Solutions Immobilier, c'est la solution à tous vos problèmes, mesdames et messieurs. Même s'il vous reste 24 heures, contactez JB Solutions Immobilier. La bonne solution avec problème. Papa Digo. Mais c'est grâce à lui la piscine. C'est le bikini. Mais JB Solutions va te bander. Oui, voilà. C'est le bikini au bas de bas. Non. On n'est pas petit bagage. Moi j'aime aussi remercier aussi Yann Décor, thématique de couleur avec les ballons, qu'est-ce qu'il fait pour la thématique pour l'émission Le Drapeau. Donc merci beaucoup Yann Décor. Ah c'était Yann Décor? Oui. Donc merci beaucoup. Il y a aussi une autre aussi touche de couleur qui est dernièrement venue me donner un coup de main pour recevoir... mes chaleureux collègues, que tu n'étais pas là. Donc que ce soit baptême, anniversaire, mariage, thème, n'importe quel thème que vous voulez, événement. Donc Yann Décor est là pour vous. Ça veut dire que vous voulez dire Yann Décor, depuis c'est à faire des décorations, Lila. Lila, oui, exactement. N'importe quoi, il est passé. Vite. Vous avez vu, comme Dimitri avait dit, là, pour la fête du drapeau, là, le décor bleu et rouge, c'était exceptionnel. Ouais. Il est spécialisé dans les ballons. Je vais vous dire, cherche pour All The Way. Mais moi, je ne dis merci avec Cosme et mes distributions. Quand je me distribue, c'est même thank you for me dire thankful. Oui. Cosme et mes distributions, des solutions avec tout ce qui vient après à votre. Ouais, cheveux. Bon, bah, bon, cheveux, allez, même, go, bah, et quel olus. Les droits venir en gros, que ce soit petit business, gros business, ou gagner, ou gagner salon de coiffure, tout, ou besoin d'installer les bagages. D'accord. Cosme et mes abbaoul, ou même tout besoin d'échanger couleur Dimitri, ou abbaoul. Cosme et mes productions. Il a toujours besoin de Dimitri, j'ai dit ça d'ailleurs. C'est comme Cosme et mes opé des bichets de couleur, ça. Pourquoi c'est vrai? Non, mais t'as regardé la droite, là c'est naturel. Et petit garçon, mais comment ça le fait? Non, bah, bah. Maman le français, papa le clair. Ah, il me papa lui. C'est toi qui compte ça, il me papa lui. Non, c'est pas lui le père. Non. On l'autre vagabond, t'es pas vous, papa. Donc, tout ça, c'est pour faire un gros remerciement à tous nos commanditaires. Et vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'être, vous voulez être nos commanditaires. Vous savez, on vous demande d'aller en bas de nos pages. Écrivez-nous, appelez-nous. Vous allez avoir toutes les informations. Donc, Mackenzie, un gros petit bas à mesure qu'on est. Bon, c'est ce point essentiel de l'amitié. Bon, son bagage que nous allons parler rapidement avec nous, par exemple, le temps pour nous aider. Mais normalement, il y a un monde où il y a six bagages essentiels, six bagages qui sont vraiment importants pour qu'on ait un monde qui est avec ou dit qui est en monde. Premièrement, vous supposez qu'on est à qui intérêt le monde ça, les amis à vous. Deuxièmement, loyauté. Est-ce que le monde ça vraiment une loyauté envers vous? Troisièmement, nous avons fierté. Est-ce que le monde ça fier de vous? Fier de vous hier. Ça veut dire que le monde ça l'accepte au jour hier. Quatrièmement, nous avons besoin d'honnêteté. Tout le monde connaît, mes amis, ça veut dire honnêteté avec les gens. Si le roi font bagaille, ou bien si le bon bagaille vraiment la caille, ou bien est-ce qu'il est assez honnête pour parler devant vous tous? Mon cher, sauf faire la bonne, mais si vous avez fait, est-ce que les amis ça, vous honnêtez de la caille?
Ce qui est nous avons besoin de connaître, c'est le respect. Est-ce que Mounsa lui-même dit un respect? Est-ce que Mounsa ou ka éviter de n'importe côté ou dit moins ou ka parler avec les gens qui respectent tout vraiment? Quel que soit, il y a des amis, quel que soit ta vie, il faut faire par rapport avec respect qu'il y a pour gérer ça. Des amis, des amis pour ça. Nous avons une sixième position, sacrifice. Sacrifice. Jusqu'à quand tes amis, ça allait prêt pour l'aller pour. Parce que les amis, dans Mayou, ou dit que ou tellement qu'on zamien ou ka contrôler ou ka nan brain nou ka pense ou ka dit mais côté zami ça prêt pour aller pour moi gen moun ki met pa la li tan do bagarre depuis le connaît zami ça té là li pa ka monte non gen zami ki tellement là pour défendre zami tellement là pour protéger tellement là parfois ou comme même mentor oui il est là juste pour gérer ça pour ranger ça ou ap gars même li dé là ranger. Si vous avez un ami, vous ne pouvez pas venir à la fin, posez cette question, vous avez un type de amis, et puis ensuite, cherchez les gens qui ont un ami pour marcher avec eux. Des fois, c'est un ami qui est famille, c'est un ami qui est là pour aider dans une circonstance. Mais des fois, tout, c'est un ami qui est là pour mettre l'eau dans le jeu, c'est un ami qui est là tout pour échouer. C'est un ami tout qui est là, soit vous avez un ami. Il y a un tir là, c'est pas ça que je souhaite. Mais on même cherche 11 ans pour fier de lui. Analyser 6 bagages à lui dire là. Merci. Je suis un peu plus grand. Et puis, bon, bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On les a solidarité. Ouais, exactement, ça veut dire ça. Si mais même, l'importance de l'amitié, puis qu'est-ce que c'est l'amitié, les super branchés? Okay. L'importance de l'amitié, c'est vraiment être indispensable. Vraiment avoir, être là pour la personne. Comme vraiment, c'est l'attirance réciproque entre deux personnes qui ne sont pas de la même famille. Donc, nécessairement, on peut prendre une amitié comme si c'était un frère et une sœur. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est quelqu'un vraiment comme Quintati. C'est pas un membre de la famille. Elle peut être une bonne amie. Peterson, le réalisateur, c'est un ami. Il est là pour moi dans toutes les circonstances, que ce soit dans les bons moments ou dans les pires moments. Donc, c'est, pour moi, personnellement, je trouve que l'amitié, c'est vraiment rentrer. Rentrer dans la personne, essayer de comprendre la personne, soutenir la personne. Quand la personne a des moments où il bat, t'es là, oh, c'est quoi? La personne apaise la dépression de la personne. Tu sais, ouais. La personne est en mode de dépression, tu apaises la dépression de la personne. Tu peux aussi avoir un sentiment fort, incontrôlable. La personne va être là, tu sais quoi, ça va y aller. Tu peux continuer aussi à faire ce que tu fais. Moi, personnellement, on me dit toujours que je suis une personne spéciale. Spéciale, ça peut être dans le bon sens, dans le mauvais sens. Spéciale, je suis une bonne personne, mais j'ai parfois mon petit côté emmerdant, tu comprends? Donc, il est capable de faire la différence. OK, Dimitri a ce bon côté-là, Dimitri a ce mauvais côté-là. On a tous des bons, on a tous des bons côtés, des mauvais côtés. On y va. Il y a aussi, qu'est-ce que je voulais mentionner aussi par rapport à l'amitié, c'est... il y a des règles d'or en amitié. Si tu n'es pas capable de respecter les règles d'or d'amitié, c'est sûr que ce n'est pas vraiment l'amitié. Comme par exemple la confiance. Il faut que pour que tu puisses avoir un vrai ou une vraie amie, il faut que tu sois capable de lui faire confiance. Des fois, quelqu'un peut te dire « Ah, c'est mon meilleur ami. » Puis après ça, derrière ton dos, tu vois que la personne est en train de donner des coups de couteau. Ce n'est pas vraiment de vrais amis. Là. Ouais. Moi, personnellement, l'avant-dernière émission que tu n'étais pas là, j'ai eu une amie sincèrement, je ne l'ai pas demandé de venir m'aider. J'ai préparé un décor avec cette personne-là qui est vraiment, qui a la compagnie Touche de couleur. M'a fait vraiment de toute beauté et j'avais une lourdeur parce que je suis perfectionné, j'aime ça, recevoir les gens pour que la personne se sente comme chez soi. J'ai beaucoup aimé ce genre de geste-là parce que je n'ai pas demandé de venir m'aider, elle est venue. Ça, c'est vraiment une amitié où est-ce que tu as confiance. Il y a l'engagement aussi, il y a la sincérité, il y a aussi la communauté.
Donc, c'est tout ça que je pourrais vous dire comme la confidence, par exemple. Donc, tu te confies vraiment quelque chose que tu vis difficilement à l'intérieur de toi et tu dis à la personne, regarde ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, c'est pour ça que dans l'amitié, je trouve qu'on ne devrait pas juger une amitié, on ne trahit pas une amitié, ouais. On conseille, on accepte la différence, on ne jalouse pas, on ne réjouit pas de la réussite de l'autre et on s'apprécie, on s'inspire de la personne. Donc, si la personne est en train d'avancer, tu es là pour l'encourager, pour pouvoir t'inspirer de la personne. Exact. Et non, en disant, oh non, elle est en train d'avancer, moi, il faut que je la mette pour que je... Moi, non, il n'y a pas ce côté de compétition entre amitié. C'est qu'est-ce que je voulais amener par là. Mais je te remercie beaucoup. Tu as apporté beaucoup pour nous. Donc, mesdames et messieurs, ne quittez pas encore une fois. On va être de retour dans quelques instants. De notre dernière émission de la saison. Oh oh! Donc, dernière émission de la saison. Je vais y aller avec petite montée de lait. C'est pas petite demi-montée de lait. Donc, vu que c'est la dernière de la saison. Donc, moi, c'est vraiment plus pour aller vers ce que mes hommes disaient tout à l'heure par rapport à l'amitié. On parlait de, tout à l'heure, on disait d'être, comme tu disais, d'être sincère. Ouais. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Oh, j'aime quelqu'un de real. Moi, mais là, mon real. Et puis, coup, dit aux vérités, aux méchants. Ou ceci, ou cela, ou hypocrite, ou t'es qu'être jaloux, ou aigri. Les gens n'aiment pas l'honnêteté. C'est dommage. Soit l'amitié aujourd'hui, c'est tellement rare d'avoir une vraie amitié. Moi, j'ai ma meilleure amie, ça fait 26 ans qu'on est amis aujourd'hui. Et on s'est toujours dit les vraies affaires. C'est pas ce que tu veux entendre. L'amitié n'est pas de dire ce que l'autre veut entendre. Oh, lunettes moins belles. Non, si moi, elle va faire bien, chérie. Ouais. Moi, non, tout est. Même jour. Lunettes alpha. Même jour, même nom, Dimi Kensi, moi, mon datse. Non, ça, c'est, je t'aime pas. Ça, c'est l'honnêteté. Et tout est mais. Mais, tout ça, c'est pour dire comme. Puis, les gens aussi, il faut qu'ils fassent attention. Il y en a. L'amitié, c'est pas facile non plus, dans le sens où, il y a mon cap monto, que yo ses amours, nanana, puis comme tu disais, tout derrière ton dos, mais c'est pas facile nécessairement à détecter. Mon enfant fait un bagage, puis c'est petit à petit, on doit faire même 5 ans, 10 ans d'amitié avec mon enfant, c'est le seul où mon enfant pas très mauvais. Pour n'importe quoi. Ou acheter une machine, mon enfant fâché, mon enfant aigri, oh, pour ça va chercher pour le maintenant quoi, c'est comme. De quoi ça dérange, je me bats demander de payer à ce machine, moi, je me bats demander de mettre non sous machine pour moi. Donc, c'est vraiment de faire attention, puis. De prendre le temps d'analyser les gens. L'amitié, puis comme tu disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Dimi ou Mikelty qui disait ça tout à l'heure, par rapport à... c'est pas simplement dans la famille. Moi, ma meilleure amie, c'est pour moi, c'est comme une sœur. Elle peut être plus... Elle est plus... Pour moi, c'est plus qu'une famille pour la façon qu'on s'entend bien ensemble. Il n'y a pas d'hypocrisie. Tati, t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Même si je me fâche, bon, moi, j'ai mon petit caractère, tout, et puis... Même qu'on est sale, dis-lui, bon, mais après, ça m'a pris un petit temps pour me souffler. Oh. C'est ça, c'est de savoir dire les vraies choses au bon moment. Si ça pas bon, le pas bon. Si le bon, les bons tout. Ok? Puis tout à l'heure, tu avais dit aussi d'encourager. Oh, Dimi, wesh ton kite, bravo, félicitations. Je suis content pour Will. Oh, c'est bien depuis le temps, moi, je bataille pour acheter kite. Voilà. Exactement. Mais, gars, pile, il y a un problème ça. Ah! Dans notre communauté, c'est un gros problème. C'est pour ça que j'ai parlé de la communauté. Oui. Parce que la communauté, ils refusent de voir l'autre progresser. Moi, personnellement, j'adore ça. Oui. Si je vois quelqu'un est en train de progresser, même si moi, personnellement, je suis en arrière, je vais me sentir fier. Parce que c'est mon ami. Parce que si la personne progresse, automatiquement. Exactement. Il va me faire bénéficier de sa progression. Toi, tu vas lui demander, mettons,
cherche qui achète une maison. Oh, base. Attendez, c'est difficile, oui, pour qu'on caille. Non, 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 regardez, ça pour faire, oui. Exactement. Au contraire, elle peut même t'apporter quelque chose. Oui. Puis les gens, des fois aussi, comme là, tu vois, je déménage. Là, les gens disent, oh mon Dieu, on va lâcher ton cash. Comme non, je m'en vais en appartement. Là. Oh, on va lâcher cash. Mais encourage-moi donc, je fais juste changer, je change de palier. Oui, ok, je suis encore en appartement, mais c'est plus grand, je vais être mieux, je me sens mieux. Je change d'air, je change d'énergie, juste l'encouragement. Mais c'est pas tout le monde qui l'a chez eux. C'est pas tout le monde. Puis apprenez donc, quand vous voyez votre famille ou vos amis qui avancent, apprenez de ça, ne soyez pas aigris. Remets ça à mon enfant. Au contraire, demandez-lui des conseils, puis prenez-les comme exemple. Comme Dimi a dit, prends pour exemple. S'il a acheté, si Dimi t'a acheté ton petit BM là, oh, c'est pas c'était compliqué pour machin. Mais non, on est quand t'es dans la maison là, machine BM là, et puis voilà, bla bla. Mais t'as bon crédit, t'as quelque chose. D'accord, mon ami, t'as pas mes amis, non? Mm-hmm. Pour voir, sinon, il se rôde et arrache ton machine. Oui, bon, oui, et puis des le fois, c'est un voisinage. Mais tu, puis moi, on m'a toujours dit, tu sais jamais qu'est-ce que la personne a fait pour arriver où est-ce qu'il est en ce moment. Alors ne sois pas aigri, ne sois pas jaloux. Mon langue doit se dans une drogue, mon langue doit se former, il fait sécréter pour le bon côté. Donc, allez, l'amitié là, c'est quelque chose pour moi qui est sacré et qui est important. Vous pouvez connaître plusieurs personnes, mais c'est pas la quantité, mais la qualité. Cathy, ma prends. Bravo, bravo. Bravo, non. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Et ces premières notions que ma baille n'a causé amitié, ça m'a accentué sur jeunes haïtiens, haïtiennes. Parce que de nos jours, amitié, ça y est reflété, c'est pas ça qui est lié. Nos bailles, point. Nos bailles, si c'est façon qui est. Ou gager une bonne amitié. Mais le plus souvent de nos jours, je ne vous dis pas, ou quand qui bon amis qui savent le faire, ils prennent, ils font arrêter la carrière le week-end, ou juste aller dans le podi, ou boire, ou fumer, ou aller, mais ou sous cabane l'hôpital ou pas, ils ont un problème. Ou ils ont un problème là, ils pas carrément, ils pas même là, ils pas même fini. Mais immédiatement que le bon bagage pour le faire, les relots, les zoos, un aller, les nouvelles produits à tel côté. Ça, c'est ça, mais ambiance. C'est pas amitié. Non, ça, c'est ça, mais ambiance. C'est pas ça, amitié. Donc, déjà, je voulais ajouter, puis respect à Maya, m'a dit ça, des amis, ces amis programmés. Oui. Des amis, ces amis business, amis bagages sérieux. Vous connaissez l'OAP, des amis cabanes. Il n'y a pas d'entrepreneuriat, on connaissait Dimitri pour elle. Et je dis non, cherche qu'on vient avec une crise de la saison pour nous. Mm-hmm. Ok, qui crise de là? Mais ça, c'est une série de questions que m'a posées et que m'a baillé 4 volets de réponses. Petit A, petit B, petit C, petit D. Nous-mêmes, on a choisi petit qui est là d'ailleurs qui bonne réponse. Petit okay. A ou bien petit, petit A. Et puis, Fadio même. Il y a tout pour un autre, il y a tout répondre. À l'aise. Et est-ce que nous parlons? Oui. Nous parlons pour commencer. Nous parlons. Nous bon. Nous commençons chaud là. Allez, ça va, jaser, on va pas prendre. Nous parlons. Première question. Qui est. Oh, Tati. Ah, vous-même, ça te compte pour l'examen, oui. Oui, oui. Il faut un jeune. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Qui a fait? Première question. Qui était le dieu de la guerre de la mythologie grecque? Je reprends. Okay. Qui était le dieu de la guerre de la mythologie grecque? On a petit A, Apollon, petit B, Hermès. Non, c'est Apollon. Petit C, Arès. Et petit D, Hadès. Apollon, Hermès, Arès, Hadès. Alors, c'était le dieu de? Dieu de la guerre de la mythologie c'est, grecque. A, c'est Apollon, B, Hermès. Arès et Hadès. On choisit seulement dans. Choisis bonne okay, réponse. Bon, okay, choisis la bonne réponse. Choisis. Là, on doit monter dans quelle caméra parce qu'il ne faut pas que les gens trichent là. Ouais. Qu'est-ce qui est Hermès ça? C'est B ou c'est M'ba qu'on est? Ok. Hermès, c'est B. Moi, je vais monter la caméra. Mais yo, moi-même. Ok. Nous prenons. Nous n'avons pas de deuxième question. Non, vous êtes prêts? Mais quittez, tout met tes premières questions, réponses là. Non. Moi, première question, ok. Faut effacer la première question. Ah bah, première question. Fais le comme ça. Mettez un, A ou bien B ou bien exact. C. Exact. Et puis, on a pas de deuxième question. Fais le comme ça. Et puis, là, on va dans les paroles en pile. Ouais, parce que quand elle a dit, elle me déprend, je vais aller. C'est une bonne tati. Deuxième question. Deuxième question. Dans quelle ville italienne l'action de la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette se situent-elles? Je reprends.
dans quelle ville italienne que la pièce est de Shakespeare, Roméo et Juliette, se situe-t-elle? Nous avons comme réponse petit A, Rome, petit B, Vérone, petit C, Milan, et petit D, Venise. Je reprends, Rome, Vérone, Milan et Venise. À vous de jouer. Moi, je ne sais pas celui-là, sincèrement. Là. À vous de jouer. C'est quatre réponses au bas là. Ouais. Petit A, petit B, petit A c'est Rome, petit B c'est Vérone, petit E c'est Milan, petit C Venise. Donc là, mettez numéro 2. Ok. C'est bon? Vous mettez Mikensi. C'est bon. C'est bon. Allez. Ok. Oh, même c'est dans toute caméra que vous passez. Bon. Oui, même pas c'est dans toute caméra que vous passez. Nous va prêter, non? Nous va continuer. Okay. Toi. Nous allons tout marquer toi. Oui. Et parmi les animaux suivants, lequel peut se déplacer le plus rapidement? Oh, yeah. Mikensi. Excusez-moi. Tout fait m'a dit chaud. Je reprends. Goud. Bon, ok, babda. Parmi les animaux suivants, lequel, lequel peut se déplacer le plus rapidement? Okay. On a petit A, okay, le léopard. Petit B, le mgob. Mgobe? Ouais. M-gob. Le petit C, le chevreuil. Et petit D, le springbok. Je reprends. Léopard. Mgob, le chevreuil et le springbok. À vous de choisir. Léopard. Mgob. Mgob. Le chevreuil. Chevreuil. Ouais. Springbok. Pourtant, là, je joue beaucoup à ça sur mon téléphone, mais c'est pas ces questions-là. Springbok. Allez-y. C'est 4 vols au bal. Ouais. Ben, la bouca va comme ça. Ou qu'à bail pour la tout. Non, parce que le gars doit. Ouais, j'ai le fond. Ouais, go, c'est mieux d'être alpha le gars. Ok. Mes amis, tellement qu'il est tombé, tellement le bave, les mounouais. Ok. Let's go. Quatrième. Quatrième. Pas oublier, bail passé. Quatrième. Quatrième. Ça, c'est une question de géographie quand même. Quelle est la capitale de l'Australie? La capitale de l'Australie. Mm-hmm. Petit A, nous avons Sydney. Mm-hmm. Petit B, Perth. Mm-hmm. Petit C, Canberra. Petit D, Melbourne. Je reprends Sydney, Perth, Canberra et Melbourne. Ouais, mais j'ai Mikensi sous moi. Allez-y, Mikensi. Allez-y, Mikensi. Eh ben, papa. En mode Mounio. Allez-y, Mikensi. Eh ben. Moi, je pense que j'ai deux sur quatre. Eh ben, moi, je tellement aimé. Là, moi, j'ai tellement aimé Sarah Brigham dans là. J'ai deux sur quatre. Et. Moi, j'ai Sarah Brigham dans là. Mais je pense que j'ai deux sur quatre. On continue. Bro. Il y en a encore d'autres. Encore d'autres? Oh oui. Oh, mais t'avais dit quatre questions. Ok, vas-y. Bro. On accélère? Non, toi, à l'aise. Nous restons deux questions. Ok, vas-y. La première question que nous restons, c'est: quel pays a pour devise je maintiendrai? Quel pays a pour devise je maintiendrai? Même j'ai étudié devise, l'Union fait la force. Ouais, ouais, ouais. Devise par lui-même, c'est je maintiendrai. Ah, petit A, la Suisse. Mm-mm. Petit B, les Pays-Bas, ou Hollande, j'en ouvre. Petit C, la Belgique. Et petit D, l'Angleterre. Je reprends. La Suisse, Pays-Bas, la Belgique et l'Angleterre. Je maintiendrai comme devise. Mais si c'était en anglais, ça aurait été l'Angleterre. Faut nous parler en anglais si c'est l'Angleterre. Petit A, la Suisse. Petit B, les Pays-Bas. Okay. Petit C, Belgique. Et petit D, l'Angleterre. Mais c'est, moi, je trouve que c'est de la triche. Parce que si c'est l'Angleterre, faut que c'est en anglais. On voit quand il est en français. Ça, c'est triche. Chanty. Allez, choisissez. Allez, non. Oh, oubliez, bye. Oh. Ok, 6. Mikensi. Eh ben, moi-même, ma connais. moi, là, moi, j'ai 2 sur 6. Moi-même, direct, à net. Parce que, vous êtes en fait là. Ouais, dernière question, on fait vite, on fait vite. Le plus grand pays musulman du monde en population. Quelle est question là? Le pays musulman, le plus grand pays musulman du monde en population. Oui. On a petit A, l'Arabie Saoudite. Petit B, l'Égypte. Petit D, l'Indonésie. Petit C, le Pakistan.
je reprends, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, ouais, l'Indonésie et le Pakistan. Défin dit remercier et producteur, hein, laisse faire. Laisse faire avec ces questions c'est bizarres. C'est ici, ok. Avec ces questions bizarres, okay. Là. Okay. Okay. Je retire mes remerciements. Moi, ma mouille comme ça. Moi, j'ai 2 sur 4, 2 sur 6. Gapi, mon gabri là, ma mouille. 2 sur 6. À ça, ma mouille. Ben, et. Mais, yo, t'es des spectateurs. Ma mouille à ça. Mikenzi. Comme moi. Qui est-ce qui a fait 1 quand tu as fait 0? Mikenzi, baba. Mikenzi, baba. Yes. Ok. Ok. Non, mais, moi. Donc. Après la pause, vous aurez nos réponses. Même ma fille me dit que vous non, regarde, ça la peut me faire. 2 sur 6, ma brin. Donc, on va aller avec les résultats. Ensuite, ça va être notre défi du groupe. Donc, nous, on est connu, même nous, tout qu'on est déjà, ça cap pas sûr. Allez, non? Oui. Pour les résultats, nous, 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 Tati qui fait un saucisse. Les jeunes ont une bonne réponse. Qui c'est Abadania, qui c'est les Pays-Bas. Oui! Bravo, bravo. Bon, bravo quand même, Tati. Bravo! Bravo, 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 bravo! 1 sur 10, bravo! 1 sur 6. Tu mérites ça. Vous gagnez Mikenzi qui fait 2 sur 6. Hé! Hey, ça veut dire que c'est Dimitri qui a gagné. Non, j'ai dit Mikenzi. Mm. Oui, Mikenzi. Mais c'est Dimitri qui a gagné. Mikenzi fait 2 sur 6. C'est ça. Et bah, bravo, bravo. Oui. Bah, bravo. Déjà une dernière réponse, non? Nous avons dit non, et puis j'ai une quatrième, non? Bon, c'est bon. Et pour finir, nous avons Dimitri ensemble avec nous. Bon. L'éternel gagnant. Et bien, la vie d'un fait 0 sur 6. C'est Mikenzi! Donc, c'est Mikenzi qui a gagné, mesdames, messieurs. Moi, je vais vous répondre ça, pas d'accord. Comme je ne réponds pas. C'est Mikenzi. C'est Mikenzi qui est un content. Il va gagner. Mais on est vraiment nul quand même. 1, 2, 0 sur 6. Bien passé. Parfait. Donc, on va y aller avec notre premier. C'est Dimitri qui est le. Il va, bon, c'est le perdant du défi et puis okay. Du quiz et puis il va commencer à chanter. On va faire karaoké. Comment on l'avait appelé, producteur? Karaophone. Fait que pas venir contrôler les voix moun, avec moun qui est artiste chanté ici. Tiens. Qui ça pourrait chanter la ponture? Il m'a chanté. Un bail là, non? Oh, à part c'est Whitney. À part c'est Whitney Houston, c'est musique mon aimé. Wouch! Et pour l'autre? Amrei, levez les mains. Le mets la tête. Comment ça, vous êtes au bord d'eau? I believe the children are of virtue. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easy. Let the children's laughter remind us all we used to be. Everybody's searching for it. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in a
want shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my reality. Because the greatest love of all, it's harmony to me. Oh, bravo! 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 Bon, on va m'arrêter, faut m'aller. Bye guys! M'en aller, oui! On m'efface! Yay! Anit, on m'efface! Me too! Moi, tout y'en nous là, moi, kill nous là! Non, je pense que c'est sur la table. Une efface, s'il vous plaît, producteur. Moi, kill nous, moi, kill nous, moi, kill nous! Merci! Ok, deux, Mikensi. Mmh. Ok, donc nous allons faire un petit au revoir à notre co-animateur qui est dans l'obligation de courir. Ouais. Il doit travailler. Bye. Donc il va vous dire votre dernier au revoir. Ça a été un plaisir d'être parmi vous pour la première saison. Donc on se voit en septembre pour la deuxième saison. Donc, qu'est-ce qu'il est dit au septembre? Nous choisissons date, nous voulons les nouveler. Moi, je choisis date. Donc je vous aime. Donc là, je dois partir. Je vous adore, vous tous. Bye! 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 Ok, on a Dimitri va là, sur le bateau, papa, c'est. La... Tatissé, c'est le bon moyen, on y a va. Oui! Eh, 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 la craie? Allez, non, levez pour un micro. Bas le micro. Pourquoi ça, au chute à son micro? Ça? Deuxième musique. Can you producteur. Know? Ah! I'll be with you. Oui! He's a beast, my love. Ok, me get off, moins un. No Roman, no cry. Oh. No, no, no. Recule-toi derrière. I don't know, I don't know. Oh. Voilà. Oh, l'éternel. Moi, je veux un Fujis, je suis numéro 3. Mais toi, c'est Fujis. Je dis pas, c'est pour ça, mon Dieu. Tu lui as mis un bon beat, c'est pas juste, là. No Roman, no cry. No Roman, no cry. Oh. Mais le ballon, pourquoi même commence au ghetto? Yeah. Oh, ça me fatigue! Je suis comme une affaire! Bah, vous n'avez pas de tournoi, mais j'ai jamais écouté cette chanson. Hé, je t'ai vu t'accoucher! No Roman, no cry! Oh, Jésus! No Roman, no cry! Mm-hmm. Pourquoi lui, il y a la musique en plus? Said, 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 I remember when we used it to sing. And he got to the first time. What's it that? You have a concert passé? What's that? What's that? What's that? No. Daddy, what's it there? What's it there? I'm going to get up and party. Daddy, what's it there? Mais pour la star maintenant. Oh. C'est fini. Il y a personne. OK, numéro 3. Et m'a tout ça producteur la prochaine fois pour me barrer ça va mon vite dans tête là. Mais zombie, non non, je t'achète ton pop mal. Vous connaissez moi la baie mon tête. Je suis obligé de me mettre debout. Ça, il y a des bagarres, dis moi si j'ai une chance de ça manger à gratter hein. Kone yal bay ti Bob Marley a chante. Pa wigezo. Sa mpase mga gwa, mpase mga gwa. Pa wigezo, mpase mga gwa. 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 Woo! Seal my life with this word. Woo! Killing me softly with his song. Killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Ha! Yeah! One time, yeah.
yeah, yeah. I heard it sings a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy. I shrank to my heart, strong in my pain with this finger. Saying my life with his words, yeah. Killing me softly with his song, killing me softly, yeah. With his song, telling so my whole woo. Life with his words, killing me softly, oh yeah, with his song. Baila con yo, yo. Vitore la mirare taba. Llamada dona la vida. Muerta comingo que vos. Despacito. Non, poco rife la. Oh. Chante bao, lo bien. No, arranque mando. Mando, mando, mando. Debe estar con el tipo. Enlevez ti ben nous, pour de vepo. Mais, n'a dit nous, merci d'avoir été avec nous pour la saison 1. Beaucoup. J'ai gardé, il y avait à devant, mais même pas avec moi. Beaucoup. Ça nous a dit que la boule est le beaucoup de plaisir, ça nous a fait beaucoup. On a eu beaucoup de plaisir à être là pour vous. On s'est beaucoup amusé jusqu'à la dernière minute. On vous dit merci d'avoir été là. Encouragez-nous encore pour la saison 2. Beaucoup de surprises s'en viennent. Ouais. On a beaucoup de choses pour eux, effectivement. Puis on va changer un petit peu le modèle de notre émission. On essaie toujours de s'améliorer, de trouver quelque chose pour vous attirer, justement. Ouais. Puis n'oubliez pas de partager, guys. Partager, même si qu'on part, Téléradical est toujours en action. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur Téléradical. On est dans la période fictive. Nous, on doit prendre une pause. On a tout le droit de congé, quand même. Pas pour 2 mois. On peut mal passer la construction. La construction, c'est 2 semaines, nous-mêmes, c'est 2 mois de vacances. Donc, on va mieux se préparer pour être en forme pour vous à la saison prochaine. Alors, on vous dit merci, merci d'avoir été avec nous, avec moi et mes hommes en pyjama ou parfois très bien habillés, très, très cute, très mignon. Et, messieurs, pour la dernière chose, quelle émission qui vous a plus, dans la saison, là, qui vous a plus touché, marqué? Dans chaque première saison, il y a des missions qui m'a plus, et multiplication en même temps. C'est qui sont connaissés? C'est émission Fête des Mères québécoise. Ok. J'ai intéressé, moi, t'as dit, ça va, bon, moi, inoubliable. Et puis, tout le monde. Non. De quoi, si tu me soumets, bah, il est comparé. Non, ça a été mon papa. L'un de l'autre, il a fait photo qui a été là.
Là, on te compare à Brad Pitt, là, vous songez? Oui. C'est une émission ça, avec mes amis, je ne sais pas si c'est une émission africaine, nous, on va s'écraser dans ce net. Oh, on t'aime les dire, nous, c'est deux émissions. Dans ta tête. Mon ok. Où est-ce que l'Afrique? Dans sa tête. Dans la tête des mères québécoises. Dans sa tête, tu es écrasé. Et où même? Bon, moi, il y a une émission qui était plus active, qui n'a pas jamais oublié, c'est mis, je l'ai fait dernièrement au bord de la piscine. Oh, mes amis, c'est pas seulement faire ça pour directeur organiser bagage, ça a été bon. Puis, et puis. Achetons quand même ton piscine là dans la venue. Deuxième émission, c'est une émission faite d'un mec québécois, j'ai que des îles là. Ça, moi, j'aime t'es bien recevoir, ça t'es bien. Et puis, troisième émission qui te fait plaisir, c'est toi, besoin qu'on ait vraiment comment bagaille ça au fait et puis les gars mon doit ça des bon puis merci. Donc moi évidemment l'émission que j'ai le plus adoré c'était vraiment la fête des mères, ça a vraiment été une totale surprise pour moi. Les gens qui pensaient que c'était monté, c'était vraiment pas monté, ça a vraiment été une surprise du début à la fin. Donc même en dehors des caméras ça a été une surprise, et pendant l'émission aussi ça a été une très belle surprise. Puis j'ai vu mes hommes étaient magnifiquement vêtus dans cette journée-là, pour moi, très beau. Il y en a un qui se prenait pour Brad Pitt, mais c'est pas grave. Même, j'ai reçu des cadeaux. Et c'est pas juste des cadeaux, on parle pas juste monétairement. Donc, j'ai eu des surprises. Ma copine qui était là avec moi sur le laptop, ça m'a fait vraiment... J'ai eu des moments d'émotion. Donc, vous m'avez vu sortir de ma zone de confort. Et l'autre émission que j'ai aimée... c'était justement au bord de la piscine pour la fête des pères. Ouais. Et celle qui m'a fait le plus rire, c'était mis son machin là et puis côté nex ça pas jamais te dit point j'ai un côté le terrain doué té point j'ai un ou pas jamais joué lui. Eh bien mesdames et messieurs, j'espère que à la saison 2, n'apprécie qu'on est qui bon point j'ai. Merci et on vous dit un gros bye bye, on vous remercie. Ciao. Et maintenant ça va être la carte des oreillers. Maquillage.